silence qu'il y avait dans la salle, à la fois pour apprécier le spectacle, mais aussi, c'est quand même la rivale de Fang Xiangdong. Oui, on pouvait entendre respirer tous nos amis chinois. Et ça, c'est rare, croyez-moi, parce qu'en général, ils sont plutôt bruyants. Alors, on va attendre la note de Svetlana Khorkina avec beaucoup d'intérêt. Et en attendant, eh bien, on va s'intéresser à ce qu'il se passe aux barres asymétriques. Quelques difficultés là pour cette gymnaste. Et même une chute ici. Eh bien, dites donc, c'est début de concours général par équipe, en individuel, pardon, sont difficiles, notamment pour Ina Poklonskaya, la Bélarusse. Ah oui, elle a fait non seulement un arrêt pendant son mouvement, un arrêt sur la barre, et ensuite carrément une chute sur un élément assez simple. Vous parliez tout à l'heure de gymnase décontenancée, c'est vrai que quand on commence à manquer son exercice, c'est difficile de se reconcentrer. Oui. Double salto avant, pardon, en sortie. C'est un peu la spirale infernale.